Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Il y aurait de plus en plus de matière noire, selon les chercheurs de l'Observatoire austral européen, ESO, au Chili, qui ont examiné des galaxies situées au-delà de 10 milliards d'années-lumière. En effet, pour rendre compte du mouvement de ces dernières, les scientifiques n'ont pas été obligés de supposer l'existence d'une masse cachée aussi importante que pour les galaxies proches. La part de matière noire pour ces galaxies lointaines n'aurait été que de 50% dans le passé contre 90% pour les galaxies actuelles. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette petite vidéo très courte. Merci, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre plein de petits pouces en l'air, plein de petits pouces rouges, bleus, comme vous voulez, faites comme vous voulez. Mettez des commentaires. Surtout, abonnez-vous, ça, c'est gratuit. Il y a une petite cloche à côté de l'abonnement, là, petit truc abonnement. Il y a une petite cloche, vous cliquez dessus, vous verrez, c'est marqué prévenir, vous cochez la case, vous mettez enregistrer et c'est fait. Comme ça, dès que je mets une vidéo, pouf, vous l'avez. Donc, merci encore une fois, amis astronomes. J'étais ravi de pouvoir refaire des vidéos. Voilà. Je vous dis à plus. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire car là-haut, il y a plein de choses à voir. Ciao.